dans un monde où voyager voiture est limité. Deux frères ébauche un livre qui fait de la publicité les marques de PNU. Sa création, petit germe, donne un universel sensation. Le peuple trop beau. Ça voulait dire on est heureux. Les restaurants, popularité, grimpe en flèche. La bohème, nous ne le ID, c'est un petit livre. Vos fonds ont vendu des nuits et impactent le monde dans un parcours de faire ses fous. Le guide Michelin sont créés en 1900 par André Michelin et son frère. Il est créé pour augmenter le demande pour les nuits. Avant de la guide, il y avait moins de 3000 voitures en France. Ils ont créé deux guides, en vert et en rouge. Le guide rouge consacre des hôtels et restaurants et le guide vert la vocation touristique. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches. Il y a 14 éditions des livres. De la ligne d'un sein. Le livre couvre en trois pays en Chicago aussi. Et il est vendu en 90 pays. 1900, le livre est publié et en 1908, il comporte des réclames des hôtels et des mécaniciens. Le premier guide en anglais est publié en 1909. Pendant la première guerre de mode, le guide Michelin était suspendu et plus tard suspendu en la deuxième, mais plus tard rapporté plus tard parce que les Alliés utilisaient des cartes pour la guerre. En 1926, les étoiles de Michelin sont créées. Il y a des emblèmes différents pour le classement de la restaurant. Les étoiles de Michelin ont les plus grands honneurs un restaurant peut avoir. Les pièces de monnaie, les raisons, les vues intéressantes par opposition à magnificence sont aussi des symboles utilisés par le guide Michelin. Mais les étoiles sont les symboles plus normalement utilisés sur le système de classement de restaurants. Trois étoiles ont des milieux tableaux vers de voyage, deux étoiles tableaux excellents mais en détour. En étoile, on trouve bon table dans sa catégorie. Les pièces de monnaie et des symboles pour la valeur de son argent. Et en 1936, les critères pour classement standard ont été publiés. Pour l'économie en France, le guide était bon. La perte d'une étoile peut avoir un effet dramatique sur le restaurant. De nombreux restaurants veulent ce type de note. Le restaurant en était honneur pour recevoir par le prix. L'entretien d'un restaurant avec trois étoiles est difficile à vivre. Mais toujours restaurant voulant l'étoile. En revanche, le guide est plus dangereux. En 2003, le célèbre chef français Bernard Loiseau a été donné en vérification de 19-20 à 17-20 du guide Gold et Milieu.
D'une vive critique médiatique, de critique gastronomique, François Simon dans Le Figaro débute en février 2003. Lui indiquait la perte de sa troisième étoile au guide Michelin. Par conséquent, il se tire en bol dans sa cuisine. Et aussi le 2 Gordon Ramsay à pleuve après avoir perdu une étoile. Le guide Michelin est très important pour beaucoup de gens. Le guide Michelin a changé la vie de beaucoup de gens, mais aussi ruiné de nombreuses vies et des carrières.